Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sous le soleil, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié, fallait arrêter d'accélérer un moment. Nouvelle vidéo les mecs. Ne regardez pas. Non, vas-y frère, elle a 14 ans, arrête. Arrête les conneries, maintenant je suis majeur, merde. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Vous pouvez encore le faire en commentaire, hein, je serai content. Hein. Nouvelle bécane sur la chaîne, waouh, de la nouveauté, oh yeah, aïe. Et ouais les mecs, aujourd'hui c'est la backlife sous le soleil du Nord Pas-de-Calais mon gars, là t'y crois pas là. Oh mon dieu, le relais, on va choper tous les colis. Oh là là, regardez la bécane. Hop. Ouais, tu nous as vu Ginette. Ouais, c'est nickel ça. J'espère que tout le monde va bien les mecs, moi ça va. Il y a du soleil, ça ne peut que aller. Alors là, je dois aller chercher des trucs, mais je connais plus la route. Je l'ai plus en tête. Oh, sa gueule, j'adore la bécane. Oh là là, il est quelle heure? 13h45, mais il y a un bail, on a changé l'heure. Donc ça, faut que je change l'heure aussi. Qui est en vacances ici les mecs? Je pense que vous êtes tous pas en vacances. Allez, on recale une petite vitesse, on y va. J'aurais pas dû sortir la doudoune, mais il fait chaud. Mais moi je pensais qu'il allait avoir du vent. Ah ouais? Ouais, mon feu arrière, c'est la fête du slibar. Hein. Oh là là. Là, aujourd'hui, je dois aller vite fait chercher un petit truc au magasin. Je me suis dit, il fait beau là. Là, faut filmer une petite vidéo là. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la bécane. 2€ le litre, laisse tomber. Je l'avais mis en hibernage. Je l'avais mis au musée. Au musée du Deux-Roues, vous connaissez pas les mecs, c'est tout nouveau. C'est que les meilleures motos qui sont là-bas. Origine, s'il vous plaît. Là, il croit qu'il va me fumer. Allez, je le mange. Ah lui, il est tranquille, mange un fond. Je sais plus en quoi il est monté, 80 ou 86. 86, je crois. Hein. Oh, j'adore ces jantes. Ah ouais, on se fait dépasser fougueusement. Ah ouais, il est parti. Il m'a déposé. Oh non, j'ai ma capuche qui fait parachute. Oh, c'est relou ça. Faut que je roule comme lui en chemise. Qu'est-ce qu'il fait, collègue? Qu'est-ce qu'il fait? Casser la moto? Tu voyais rien? Ah, tu m'étonnes, eh. T'as pris ton masque? T'as pas pris tes lunettes? Bah, si, elles sont là. Mais. Bah, il est mort. Ah. Elle se noie la connasse. Aïe, trop de puissance. Il est mort. Non, t'inquiète. Y'a qu'un camion de 2 mètres, ouais, bah. Ah ouais, je crois qu'il peut que la démarrer à la poussette. Y'a pas de kick. Eh mais moi j'ai un origine, eh. Et avec ma prise au vent là, je perds 10 chevals. Ah, je suis debout là, c'est pour me refroidir le trou de balle. On a l'habitude, c'est la danse. Hop. Merde, je pensais pouvoir le fumer. Oh merde. Ah, je pense avoir les capacités moteurs, je comprends pas. Eh, j'ai peur de taper, je sais pas combien que je vais faire en hauteur là, mais si je tape le carbone, t'inquiète pas, on va m'entendre de crier. Il sait pas, je vais fumer. Et ça fait quoi pendant les vacances les mecs là? Vous êtes tous en vacances? En vrai, je pense qu'il y a... Non, attends, je pense que dans ces vacances là, il y a des zones encore. C'est moi où il tente de me dépasser lui? Ça veut vraiment me dépasser là? Oh, il croit que j'ai quoi comme bécane lui? Gros, je suis à 80, c'est 50. Oh là là, on a trouvé plus dangereux que nous. Ah ouais, là, mais il me met une avance, là. Par contre, la petite C3 derrière, elle a compris qu'elle pouvait pas faire le point face à un 50. Eh, je rigole, on se détend. Attends, heureusement qu'il va plus vite avec sa C3, hein. Sinon, je mets pas l'argent dans une C3, hein. Hop, allez. Hop, petit éteint. Ah, il veut se dépasser. C'est un délinquant de la route. Il avait le rendez-vous. Ah, on est bien. Température optimale. Ah, ça fait du bien de retrouver du soleil comme ça là. Dans l'ornière. Net dans l'ornière, comme ça. Allez hop.
C'est un VMAX. Non, il va pas me dépasser de merde. Putain. Ma 50 ne serait plus aussi surpuissant qu'un 86. Ah merde. Aïe. Oh comment il fait chaud là. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, ça sort la bécane là. Ça dit quoi? Il y en a, ils partent en vacances. Il y en a, c'est sûr, ils partent en vacances. Droite à... Les bras sont tendus là. Les nerfs sont tendus. Macron, Le Pen, qui passera 18 ans samedi. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Ça, salut, salut René, bien. Et 18 ans, le lendemain des élections. Ouais. Ah. Ah, il prend déjà de l'avance, sinon il sait que je vais le fumer. Ouais, chaud, chaud, chaud. Ah, allez, allez, allez en pointe là comme ça. Ah, qu'il fasse beau là, ça fait trop du bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent les mecs, on est bientôt 140 000. À l'heure où je vous parle, c'est magique, c'est incroyable. Lui, il se la traîne là parce que moi je suis pas assez rapide. Eh, hey, oh. Moi, j'ai mon 50. Hein. Ah ouais, mais ça c'est le radar adaptatif, je crois. Ouais, c'est quoi ça? Oui. Ah, je le mange. Ah, je le mange. J'adore les jantes. Oh là là, je suis amoureux. Je vais mettre les mêmes sur la derby. Bah derby, ils ont pas fait des jantes comme ça. Dites-moi les mecs, les jantes anodisées sur quelle bécane? Derby d'origine, y a pas. Hein. C'est Beta qui ont fait des dingueries comme ça. Ouah, on prend l'intérieur. Ouah, il m'a pas vu. Ah. Ah merde. Oulala, oulala. Elle a banalisé, c'est vrai que j'y ai pensé du coin de l'œil quand je l'ai vu, mais je pense qu'il parlait du 3008. Ah, ça serait drôle, un petit demi-tour, j'ai aucun papier aujourd'hui. Faut pas le faire, j'ai perdu mon portefeuille. Est-ce que ça passe? Bah non, j'ai perdu mon portefeuille, j'ai pas mes papiers. Moi, je les ai en photo, je pense que ça passe. La petite jeune mini toit ouvrant avec le A. Ça, si c'est pas à Cannes cet été, je comprends pas. Qui va voter les mecs là? Qui a 18 ans là? Putain, j'ai 18 ans, je suis en 50, mais merde. Putain, en plus, je vous ai pas dit, j'ai commandé le dernier RS3. La paye YouTube, la YouTube monnaie là, en RS3. Eh, je rigole, cogno là. La seule chose que j'ai pu me prendre, c'est un Clio. Une petite Clio 3, et même pas la RS. Hein. T'es trop jeune, mais regarde pas comme ça, t'es trop jeune. Putain, c'est incroyable. Faut que je fasse attention maintenant, 18 ans les mecs. À tout moment, je suis sous les barreaux. Non, on dit sous les barreaux, sur les barreaux. Ah, sur les barreaux, ça fait un peu bizarre. Il est obligé de m'attendre carrément. Parce que j'exploite pas toute la puissance moteur. Oulala, oulala. Bah vas-y, mais il part lui. Oh là là, la montagne. Alors les sudistes, on connaît pas ça, hein. Y a que les gens du nord qui connaissent. Ça c'est la montagne, c'est l'Everest du nord. Voilà. Mais quand t'as une moto quittée, vraie question, quand t'as une moto quittée, comment tu fais si t'as pas de contact et tout? Parce que quand c'est quitté, souvent y a tout qui est trafiqué, tout le bordel, tu vois. Comment tu fais pour la protéger? Enfin après je dis pas, hein, tu mets un coup dans le Neyman, même sur n'importe quelle moto, ça tu peux la prendre. Mais les kits, ils ont pas encore plus peur, genre souvent ils ont plus le bloc guidon et tout. Du coup comment ils font? Vraie question. Là je sais plus où c'est la route. Je sais pas, on va voir par où il nous fait passer, hein. Par là-bas, nickel. Non, pas par là-bas. Oh, aïe aïe, ça casse les oreilles. Un casserole, net. Je pense qu'il n'y a plus trop de laine de roche dans le bordel. Babylam, babam, les beaux jours vont revenir, les motards vont ressortir. Bah ouais. Non, on n'a pas le droit de se dire motard en 50. Arrêtez, sinon ça va pas. T'as beau être full cuir, ça va pas aller. Ça va lancer débat. Prends un bout de trottoir, voir s'il y a des bonnes suspensions. Hop. Ah, je vous ai pas montré, les mecs, j'ai acheté de nouveaux bureaux là pour mettre les monteurs des vidéos là. On va mettre toute l'équipe là. On va la mettre ici, voilà, j'ai acheté ça. Moi, je payais 3-4 millions ça. Mais ça va être rentable. Du coup, voilà, je vous présente les nouveaux bureaux. Putain, t'as ça, gros, comment c'est magnifique. Il est surexcité là. Il veut tout faire en wheeling. Net. T'as, t'es sûr de l'entendre, hein. Mais non, genre, c'est les poignées. Je lui ai offert des poignées blanches. Si c'est celle-là qu'il a mis, oh putain comment elles sont noires, gros. En même temps ça c'était sûr, hein. Poignée blanche, ça reste jamais blanc, hein. Putain là t'es en voiture toi ouvrant. T'es bien, grosse musique de moula. Aïe 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 aïe. Oh l'Arcana, hey. Où est-ce qu'il veut qu'on aille se garer lui? Mais c'est quoi de ces places? Bah tu veux te garer où là? Viens, on les met à l'ombre, sinon elle va avoir trop chaud. J'ai trop chaud, c'est horrible. T'as une béquille? Ah. Non mais même pas, c'est cassé. C'est juste qu'il y a une mousse de base en dessous. Alors la bécane dans les conditions optimales là. Aïe aïe aïe. C'est bon. Putain. Quand j'ai vu le prix de la cartouche d'encre, c'était marqué
39 €, j'ai dit bois, ouais. Bon, on va prendre le modèle en dessous, hein. Très bien le modèle en dessous. 20 € la cartouche d'encre. Ah ouais. Ah ouais, on laisse passer les gens, nous. Ah toi, 80% c'est un abonné. Oh, y'a gros, ça a tapé ici. Oh, ça a tapé. C'est l'embrouille. Oh là là, le monde ici, toi. Je sais pas où on va aller. Je connais pas la route. Je suis obligé de le suivre. Notre Q5, frère. J'adore les jantes. Oh, puis lui, il vient d'acheter des nouveaux pneus. Il a dépensé 1000 balles de pneus. Oh là là. Faut plus manger les Kinder, les mecs. Moi, j'ai dû tout jeter, mais à ce qui part, on peut se faire rembourser. Donc, t'inquiète pas, là, je vais aller réclamer mes 10 balles de chocolat. Ça payera la cartouche d'encre. Je crois que dans la vie, maintenant, tout est trop cher. Avoir une cartouche d'encre. Déjà, pour avoir une voiture, même une Clio 2, faut être riche. Au prix de l'essence. Alors, on va falloir sortir 4 vidéos par semaine. J'aurais dû mettre mon manteau d'été. Blouson Alpine Star d'été. Oh là là. J'aurais été un vrai motard. Ça vient profiter du soleil. Hé, hey, gardez-moi ça là, les jeunes. Ah, j'ai mal à l'oreille. Il y a une mousse du casque qui s'est barrée. Oh merde. Les mecs, 3000 pouces bleus, on vous présente sa bécane. Sa moto, ma surpuissante maman. Oui, 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 c'est le karting ici. C'est Luigi Mario. J'aime bien une petite polo comme ça, mais ça vaut trop cher. Hein. Oh, oi, oi, oi. Ça gueule, hein. Ça gueule, ah. Oi, oi, oi. Oi. Là, tu m'as bouqué, ça fait flamme. T'as pas bouqué. Non. On l'a brûlé. J'ai trop chaud, aïe aïe aïe. Putain, ça va revenir l'été là où ça sortait les bécanes jusqu'à minuit, frère. Quand ça sortait les bécanes la nuit, qui faisait trop bon. Oh là là, personne sur la route. Oh, c'était un plaisir. Il veut nous faire un départ arrêté avec la polo. Oh, aïe 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 aïe, il est trop chaud là. Là, ça va exciter le beau temps. Gardez-le, gardez-le. Là, c'est sûr, c'est sûr. Écoute-le, écoute-le. Oh là là, le kéké. C'était sûr. Petit parc. Je vous fais découvrir le paysage. Je viens jamais ici, je connais pas. Ah oui, c'est le commissariat ici. il va se chier dessus. Là. Aïe aïe, il passe tranquille le collègue. Hein. Moi, m'en fous, c'est l'origine. Oui, aïe aïe, il est parti. Vas-y René, tu peux ouvrir la porte, y'a pas de soucis. Je risque pas de finir à terre. Vous avez vu les potes? Y'a le bouseux qui veut faire... je sais plus, je crois, il veut faire un road trip avec sa 50. Il veut acheter une 50 et il veut faire un gros truc avec. Je sais pas où il veut partir, mais je sais qu'il veut faire un truc. Vous allez voir. Dès qu'il a sa bécane, le bouseux, je crois, il va faire une prépa. Moi, je vais venir, je vais le fumer avec la derby. Ah, c'est sûr, il va faire le kéké, c'est sûr, mais c'est certain. Où est-ce qu'on est? Il m'a complètement perdu le collègue. Je sais pas ce qu'il raconte. Ouais, j'acquiesce. Faut vraiment. Eh putain, t'imagines tout un groupe de potes en intercom. Je sais pas si on peut être genre à la 40 sur un intercom. Mais qu'est-ce que ça doit être drôle. Mais où est-ce qu'on est arrivé là? J'ai l'impression qu'on a changé de ville. Ah, c'est bon, je reconnais. Oh, yeah, yeah, arrête, arrête. Il est déjà 90, maman. C'est un ouf, il a pris son indépendance. T'as vu, il n'y a pas loin à aller là. Il peut se faire enterrer à 50 mètres. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to write a hit. No, I'm never gonna quit.